Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui, nous allons voir un super méga bon plan que très peu de monde connaît pour avoir du mobilier ou de la déco pour votre salle popote, mais pour mille autres choses. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus, des trois outils qui vous permettent d'être plus serein dans votre commandement. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous de la vidéo ou en barre d'article. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, comme ça vous serez prévenu. Alors, c'est quoi ce super méga bon plan pour du matériel ou de la déco? Eh ben non, ce n'est pas le bon coin. Le bon coin, tout le monde connaît, vous avez des super bons plans dessus, c'est vrai, mais je vous en ai un qui est encore plus puissant. Il s'agit des salles des ventes, des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, ça se passe dans une salle, dans votre ville. Je vous dirai un peu plus loin dans cette vidéo sur quel site aller pour trouver cette salle des ventes, savoir où est-ce qu'il y en a autour de vous et quel type de vente se fait. Alors, c'est quoi une salle des ventes? C'est quoi une vente aux enchères? Une vente aux enchères, elle peut être faite sur, c'est soit une vente volontaire, donc quelqu'un qui veut vendre quelque chose qu'il met aux enchères, soit une vente judiciaire, par une liquidation judiciaire, soit une succession. Globalement, voilà le type de vente. Donc, les gens veulent vendre des choses et il y a des acheteurs. Si vous êtes 3, bah, tant mieux, parce que les prix vont pas monter, mais si vous êtes 150, c'est pas la même chose. Et le commissaire-priseur, c'est lui le chef de la salle des ventes, le commissaire-priseur met à prix, par exemple, un canapé en cuir extraordinaire, a pris à... J'ai vu comme ça passer toute une série de billards de collectivité à 50 euros. Donc, par exemple, le billard mis à prix 10 euros. Ok, un tel monsieur, 10 euros. Hein, 10 euros pour monsieur, 20 euros pour madame, 30 euros pour monsieur, 40 euros pour madame, 50 euros pour monsieur. Ok, 50 euros pour monsieur une fois, 50 euros pour monsieur deux fois, 50 euros pour monsieur trois fois, adjugé, vendu. Voilà, le baby-foot, le billard, pardon, est parti pour 50 euros au monsieur qui avait levé la main et pour qui ça a été adjugé. Voilà, voilà le principe, c'est comme ça que ça se fait et il y en a une dans pratiquement toutes les villes de France. C'est vrai que si vous habitez à la campagne, c'est un peu plus compliqué, mais toute la grosse ville qui est à côté de chez vous, vous allez trouver ça. Alors sur quel site allez? Vous allez sur interenchère.com. Inter comme inter, enchère comme enchère, avec un S.com. Voilà, je mets un petit logo à côté de moi pour que vous puissiez voir ça. Vous pouvez voir notamment, il y a des ventes de professionnels. Ça, c'est si vous avez quelqu'un qui, par exemple, fait un de vos subordonnés que vous aimez bien, qui fait une reconversion, qui veut se lancer dans son business, il veut lancer une boulangerie. Et ben, vous allez voir sur le petit onglet vente professionnelle, il y a plein de boulangeries, soit qui font faillite, soit qui n'ont pas de repreneur parce que la personne passe par la retraite, qui vend tout son matériel. Et vous retrouvez avec des machines qui coûtent une fortune quand elles sont neuves, vous les avez vendues aux enchères pour, je dis pas rien du tout, mais vraiment pas grand-chose par rapport à la valeur que ça peut avoir. Même chose pour de la vaisselle, si vous avez de la vaisselle à acheter, vous avez de la porcelaine et de l'argenterie, vous avez de l'argenterie pour moins cher que chez Ikea. Voilà. Donc même pour chez vous, allez dans ces ventes aux enchères, c'est pas comme dans un magasin, donc vous ne trouvez pas tout tout de suite. Mais en y allant de temps en temps, en cherchant, en fouinant, vous allez trouver des trucs extraordinaires. Voilà. J'espère que vous pourrez en profiter. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site. N'hésitez pas à dire que vous avez aimé cette vidéo et à la partager si vous trouvez qu'elle a de la valeur. Ça permettra à d'autres d'en profiter. De toute façon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.